القرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قرآني آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي وما دامعي وكياني. J'avais de plus en plus le doute dans ma tête. Et alors, j'allais me confesser. J'allais voir le curé en lui demandant pardon parce que j'étais en train de douter sur la religion chrétienne. Tu récites telle prière sur Marie, telle prière sur Jésus, telle prière sur Dieu, etc. Et je te pardonne et tu vas être pardonné. Par contre, à ce moment-là, les frères me disent, il t'a confessé, donc il te pardonne. Mais quel mal tu lui as fait à lui ? Et là, je me pose la question, je me dis, mais c'est vrai, quel mal je lui ai fait. Et quel pouvoir il a pour te pardonner à la place de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et le Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, « Wa inni l'arafar, liman taba, wa amana, wa amilu salihat, summa irtada. » Dans là, je prends une prise de conscience que c'est cette religion-là, entre guillemets, qu'il me faut. Pourquoi ? Parce que c'est le lien direct de la créature envers son créateur. Les questions qui m'ont été posées, la réflexion qui a été faite, etc., c'était un grand chamboulement dans ma tête. J'étais pas catholique, j'étais pas musulman, j'avais plus de religion. Et je demandais le soir, dans ma chambre, dans mon lit, à Dieu qu'il me guide à me trouver une solution parce que j'avais plus de religion. يقول ميكائيل في هذه المرحلة أحسست أني يتيما لأنه دون دين فلم يكن مسيحيا ولم يدخل في الإسلام فبعد فترة من الزمن قرر أن يرجع إلى القس الذي يثق به في الكنيسة القريبة من منزله واعترف له بأنه تعرف على مسلمين وأنه يفكر بالإسلام. Je me suis dit, lui, il va avoir un avis neutre. Pas du tout. Il m'a donné beaucoup de points négatifs sur l'islam. Et là, le curé, il a dit, l'islam, oh là là, il me dit, c'est une religion de guerre, c'est une religion de haine, c'est une religion qui n'est pas tolérante, c'est une religion où la femme n'a pas sa place. Il m'a donné voilà, un tas de choses contradictoires qui m'ont à un moment donné, m'ont donné le sourire en me disant, ah ben voilà, leur religion, elle n'est pas si parfaite que ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir ces frères-là en leur disant, voilà, le curé m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça. Et chaque point, ils m'ont prouvé par A plus B que le prêtre se trompait et qu'il mentait sur ce qu'il me disait. Alors là, c'est eux qui m'ont répondu, en m'ouvrant le Coran et le Karim, et me disant la place des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala regarde la grande sourate qu'il a réservée, Al-Nisa, les femmes. Quand je leur ai dit, oui, mais vous me dites que le curé m'a dit que vous étiez de religion qui n'avait pas de tolérance. Il m'a dit, nous avons une religion qui n'a pas de tolérance. Il ouvre le Qur'an al-Karim et il me fait montrer le verset coranique où Allah dit, « Lakum dinukum waliyad-din, à vous votre religion, à moi la mienne. » بسطت لنا كلتا
ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيه. كل هذه القصة وهذه النقاشات مع أصحابه كان وقتها عمر ميكائيل لم يتجاوز 17 عاما، وهذه رسالة إلى الشباب الذين يقولون نحن صغار سن فنهتدي عندما نكبر أو نصلي عندما نكبر، وهذا خطأ كبير جدا. فاعتنق الإسلام ميكائيل وهو صغير سن، وتقرب من كتاب الله سبحانه وتعالى وتأثر به كثيرا. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Je voyais vraiment que la religion chrétienne commençait vraiment à perdre de la crédibilité et que la religion musulmane m'attirait beaucoup, notamment avec l'éloquence de le Coran al-Karim, les versets coraniques. Quand on lit la Bible, on lit un texte, on lit une histoire, on lit. Quand on lit le Coran al-Karim, quand on écoute le Coran al-Karim, il n'y a jamais quelqu'un qui a pleuré en lisant la Bible. Le Coran al-Karim, des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train d'écouter, les larmes, elles coulent. وكان يحب أن يسمع سورة الرحمن قبل إسلامه وتأثر بمعانيها كثيرا، وكانت هذه السورة هي السبب باتخاذه قرارا مهما وهو النطق بالشهادة. والله سبحانه وتعالى دي كل من عليها فن ويبقى الوجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et là je me suis dit cette dunya à un moment donné elle va finir. Aujourd'hui j'ai 18 ans. Après, j'ai avoir 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, ikhlas, et je vais mourir. Et là, tout ce que j'aurais fait ici va disparaître. Donc si on s'accroche à Allah fi dunya, on va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala fi l'akhira. Et à ce moment-là, je me suis dit, subhanallah, je suis en train de grandir. Il y a quelque chose dans mon cœur qui est en train de grandir. Et j'ai appelé deux amis, deux personnes avec qui je parlais beaucoup de religion, je les ai appelés. Et je leur ai dit, ça y est, je suis prêt à rentrer dans l'islam. Et il me dit, tu dois faire tes grandes ablutions. Alors je suis parti, donc il m'a écrit sur un papier comment je devais faire mes ablutions, irtisel. Et je me suis lavé et je suis parti le voir. Et j'ai répété après lui. Il m'a dit, ashhadu. Je répétais, ashhadu. La ilaha illallah. Ashhadu an la illallah. Wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient deux, et il m'a dit, Masha'Allah, Alhamdulillah, t'es musulman. Alhamdulillah. كان اختبار صعب وتحدي كبير على ميكائيل إذا اعتنق الإسلام دون أن يعلم أبواه، فإذا علم أبواه عن إسلامه سوف يطردونه من البيت وهو صغير سن ولا يملك المال أصلاً. السؤال، كيف سيصلي؟ كيف سيصوم؟ اضطر ميكائيل في هذا الوقت أنه يفطر أحياناً في رمضان وأن يصلي كل الصلوات في آخر الليل. Je me rappelle, subhanallah al-adhim, mon anniversaire, c'était au mois d'octobre. Et on était en plein mois de Ramadan. Et ma mère a appelé la famille, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, pour venir manger le gâteau à 5h de l'après-midi. Et j'ai dû couper cette journée parce que je n'avais pas le choix et que je ne pouvais pas dire que je ne voulais pas manger de gâteau. Quand il est venu ici, Mikaïl, il s'est allé tous les furoum, mais il s'est allé d'un seul. دعاء واحد، اللهم اجعل أمي وأبي يتقبلوني مسلم. سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه، ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيه. موقف صعب،
كيف سيستمر هكذا ميكائيل؟ فأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجد له حلا، واستجاب الله دعاءه. فعندما تخرج من المدرسة مباشرة تم قبوله في الخدمة العسكرية لمدة سنتين. Pendant ces deux ans, j'ai pu travailler ma religion, j'ai pu apprendre, ça m'a renforcé parce que Shaitan il me mettait le doute dans mon cœur en me disant si tu continues sur cette religion-là, tu vas perdre ton père et ta mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné à ceux qui sont nés dans l'islam la chance d'avoir un père qui les tire pour se lever le matin, pour prier, une mère qui leur prépare à manger quand la journée du Ramadan elle est finie. Les convertis, généralement, ils ont eu quand même beaucoup de problèmes avec leur famille. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille. اللي مو حاسب نعمة الأبوين المسلمين الآن يدعي الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمه وأبوه والآن يذهب إلى الأم وإلى الأب يحب رأس أبوه ويحب رأس أمه ويقول يا أمة ويا أبا أحمد الله سبحانه وتعالى إني انولدت مسلم وأنكم مسلمين وأنكم تدعوني لصلاة تدعوني لصيام تدعوني لزكاة تدعوني لحج والله غيركم فاقدها الآن هو مسلم وأمه وأبوه لم يدخلوا في الإسلام ويشعر بحسرة أمنيته الجميلة دليل على ذكائه في الدعوة. Aujourd'hui, je voudrais faire une salle polyvalente. Une salle polyvalente pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir ramener des conférenciers, pour pouvoir parler aux gens de l'islam. Parce que notre mosquée, Mashallah, Masjid al-Nour, notre mosquée à Kievrochin, elle est, Mashallah, elle est bien, mais elle est un peu petite. Et les gens, ils ont peur de venir dans une mosquée. بإذن الله عز وجل تتحقق هذه الأمنية مع موقع نور. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن